Bienvenue dans la séance 6. Séance 6 sur les algorithmes. On va parler algorithmes. Alors, pas d'un point de vue informatique, mais d'un point de vue usage, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue politique. Alors d'abord, on va commencer par une première conférence. Conférence TED qui date un petit peu, mais qui est assez intéressante, d'Eli Pariser, sur les filtres dans les algorithmes. Les algorithmes nous enferment dans des bulles. Alors, il prend l'exemple, mais assez intéressant comme manip à faire, faites-la. Tapez votre nom, ou tapez un mot, pas votre nom, mais tapez un mot sur votre moteur de recherche, sur votre ordinateur. Vous avez enregistré vos favoris, vos historiques, vous utilisez tous les jours. Et tapez ce même mot sur l'ordinateur de votre sœur, de votre copine, de votre mère, de votre père, de la famille, de la grand-mère. Et puis vous verrez que vous n'aurez pas les mêmes listes de résultats, les mêmes listes de propositions. Donc l'idée, c'est un peu ça, c'est que... Je change de main. Je tiens mon iPhone à la main. C'est que les algorithmes... Alors là, Eli Pariser nous parle des moteurs de recherche, mais il y en a d'autres, hein, les réseaux sociaux, etc., etc. Les moteurs de préconisation, de bouquins, de recherche d'hôtels, etc., etc. Tout cela nous enferme dans des bulles de décision où ils nous donnent ce qu'on attend. C'est un peu leur rôle, mais des fois on aimerait, ou on aurait besoin de choses qu'on n'attend pas, des choses qu'on aurait cherché en besoin, un peu comme le lampadaire qui éclaire la lumière, vous voyez, des fois on aimerait aller chercher au-delà de la lumière. Métaphore. Bref, Eli Pariser, première conférence. Et ensuite, je vous mets toute une série de vidéos, de petites vidéos de Dominique Cardon qu'on a déjà vues les séances précédentes, notamment sur l'identité numérique, sur une table ronde. Donc Dominique Cardon, sociologue à Orange, et là qui a sorti un bouquin, À quoi rêvent les algorithmes, qui n'est pas la BU. Je vous ai mis la référence, mais il n'est pas la BU encore. J'ai demandé à ce qu'il y soit, mais bon, il n'y est pas encore. Et donc il répond à quatre questions. Les algorithmes sont tous les mêmes? Sont-ils tous les mêmes? La réponse, ça sera non. Je dévoile pas de secret. La réponse, ça sera non. Et du coup, j'ai mis un petit wiki là. Vous irez mettre les différents algorithmes décrits par Dominique. Donc, dans le wiki là, qui est en dessous. Comment se fait-il que les algorithmes nous lisent-ils? Oh là là, je suis fatigué là ce soir. Comment se fait-il que les algorithmes nous lisent aussi facilement? Voilà, donc il donne des réponses à ça. Comment utiliser les algorithmes pour nous rendre plus libres? Voilà, c'est une bonne question. Et les algorithmes sont-ils immoraux? Donc quatre questions, quatre réponses de Dominique Cardon sous format de petites vidéos assez courtes. Et puis en dessous, je vous ai mis une vidéo un peu plus longue où il reprend tout ça, une synthèse, il s'étend un peu. Et puis, pour faire le contrepoids de ce qu'on a vu au tout début d'Internet sur les pères fondateurs d'utopie un peu californienne d'Internet, tout est beau, tout est libre, tout est ouvert, etc., etc. Avec Internet, tous les savoirs sont accessibles. On va changer l'humanité, etc., etc. Donc, vous vous rappelez un peu le délire californien au départ, des pères fondateurs d'Internet. Je vous ai mis un discours un peu opposé, même tout radicalement opposé, d'Evgeny Morozov, qui est russe. Ah, il n'est pas de la Californie, celui-là, il est russe. Et puis, qui nous dit tout ce qu'il y a derrière. Si c'est libre, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Hein. En gros, c'est un peu ça l'idée. Mais donc, il décrit ça. Alors c'est intéressant cette conférence que je vous ai trouvée, c'est une des rares conférences où il ne parle pas français, mais il y a une traductrice, les questions sont en français, donc on arrive un peu à suivre. Et du coup ça donne un rythme un peu lent, vous laissez le temps de prendre des notes, de gamberger un peu ça, donc ça c'est pas mal. Et puis quand on aime, on ne compte pas. Voilà, dernière vidéo pour ceux qui ne sont pas lassés déjà de toutes celles que je vous ai données, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, une super vidéo, là, une leçon à France Culture en mois d'octobre de Dominique Cardon, toujours autour des usages, des algorithmes, des usages qu'on a d'Internet et des algorithmes. Donc une séance lourde, pleine de gamberges, un wiki à remplir pour les différents types de wiki, d'algorithmes, les notions, les types, etc., etc., les usages. Et ben voilà. Donc après ça, le mot PageRank, EdgeRank, vous les verrez plus pareil. Et bonne séance 6, à la prochaine.